Aujourd'hui, Clin d'œil vous raconte l'incroyable histoire d'un remède corse sans qui un soda mondialement connu n'aurait pas pu conquérir le monde. Tout commence en 1838 avec la naissance d'Ange François Mariani dans le village de Perucaseetie. Sur les traces de son père, celui qui se fera plus tard appeler Angelo devient apothicaire et s'intéresse à la fabrication de toniques. Très vite, il se passionne pour les effets de la feuille de coca, que plusieurs médecins proposent d'utiliser à des fins thérapeutiques dans le traitement des maladies mentales. Après plusieurs recherches, il met au point en 1863 à Bastia un vin de coca et part poursuivre ses études à Paris. Devenu pharmacien, il continue chaque soir à tester diverses formules, affine ses préparations et dès le début des années 1870, le succès de son vin tonique est au rendez-vous. En 1873, il achète sa propre pharmacie à Paris et dans les années 1880, fait bâtir une usine pour la fabrication de son tonique à partir de vin de Bordeaux, les plants de coca étant élevés dans ses propres serres. Très habile commerçant, Angelo offre des bouteilles de son vin à de nombreuses personnalités qui en vantent les mérites. 6 présidents français en feront l'éloge, dont Raymond Poincaré, mais aussi Alexandre Dumas, Jules Verne, Zola, Thomas Edison, Sarah Bernhardt et même 3 papes et plusieurs souverains comme la reine Victoria, pour ne citer que cela. Malgré de nombreuses boissons concurrentes, la qualité de son tonique remporte alors un énorme succès dans toute l'Europe. Prescrit avec succès pour combattre la grippe, le vin se targue de soigner également les affections nerveuses, l'anémie ou encore l'impuissance. L'entreprise ouvre alors des filiales à Montréal, New York, Alexandrie ou Shanghai. Et même l'empereur de Chine suivra une cure de vin tonique Mariani. En 1884, sa renommée touche l'Amérique. Le président Ulysse Grant, atteint d'un cancer de la gorge en phase terminale, soulage ses douleurs grâce au vin Mariani et parvient ainsi à finir de rédiger ses mémoires avant de décéder. Dès lors, les Américains s'intéressent à ce vin et les imitations fleurissent. Souhaitant éviter un procès pour contrefaçon, John Pemberton, pharmacien à Atlanta, ajoute à la recette du vin Mariani des noix de cola et crée ainsi son French Wine Coca. Mais en juillet 1886, la ville d'Atlanta interdit la vente d'alcool et Pemberton remplace le vin par des arômes et de l'eau gazeuse. Inutile de vous raconter la suite. Qu'est devenu le vin Mariani, me direz-vous? Tombé dans l'oubli au début du XXe siècle, il a été relancé il y a quelques années. Et avec un tel passé, aucun doute que cette fois, il colonise le monde.